Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Chat GPT Business School. Et cette semaine, on va aller optimiser notre temps avec l'intelligence artificielle. Déjà, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine. Je suis vraiment heureuse de te retrouver pour prendre ce moment entre vous et moi comme un véritable café où on se retrouve pour ce podcast. Donc aujourd'hui on va te parler de quelque chose qui est vraiment crucial qui est l'optimisation du temps et comment le faire avec l'intelligence artificielle. Imagine vraiment pouvoir te libérer chaque semaine un nombre d'heures pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Donc ça peut être... Exemple, ça peut être ton cœur de métier. Ça peut être passer plus de temps en famille. Ça peut être te dégager du temps pour faire du sport. Ça peut être encore, euh, tu souhaites euh, reprendre, par exemple, euh, le fait de faire davantage à manger parce que tu adores cuisiner. Eh bien, ça peut être aussi la possibilité, une porte ouverte à cette possibilités. Et c'est pour ça que quand je parle optimisation du temps avec l'intelligence artificielle, tu m'entendras souvent, très très souvent, parler d'opportunités et de possibilités. Parce que c'est ce qui est exactement possible en utilisant l'intelligence artificielle. Donc tu imagines pouvoir vraiment te libérer plusieurs heures, je dis pas juste deux heures semaine. Non, non, on peut la. Pardon. on peut là vraiment aller sur une duplication du temps où euh, très clairement, on peut être sur euh, facilement gagner une dizaine d'heures par semaine. Et je le dis très facilement, ok Quelques chiffres quand même pour poser le contexte, ok euh, 75% des entrepreneurs ressentent une pression constante liée au manque de temps. Ça, c'est une réalité et la réalité, c'est que, comme je le dis, 75% des entrepreneurs ressentent une pression constante. Donc, une pression vraiment euh, qui reste collée au basket liée au manque de temps. Donc, let's go. On va découvrir ensemble comment euh, l'intelligence artificielle va transformer notre gestion du temps. Je vais fermer la fenêtre et je reviens. <laughs> c'est ça, quand on habite à la campagne, <laughs> il peut y avoir quelques tracteurs qui passent. C'est une réalité. <laughs> Moi, c'est pas les ambulances, c'est pas les pompiers, c'est pas... Euh, voilà, c'est des tracteurs. <laughs> euh, alors, on en était où Là, euh, on va aller sur le fait que cette pression, comment ça se passe pour ces entrepreneurs, pour ces femmes 75%, on a dit, ressentent une pression constante liée au manque de temps. Et ce n'est pas tout. Et c'est là où on voit bien que l'impact est extrêmement euh, pressant. Et qu'il y a une. Euh, comment dire Et qu'il y a dans ce quotidien, pour chaque entrepreneur, une réalité qui n'est pas forcément visible, mais qui est réelle et qui est bien présente au quotidien. 60% d'entre elles déclarent que cette pression impacte négativement leur productivité et leur bien-être. Vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps, souvent je vous parle de la rentabilité en trois temps. C'est un petit peu ma, ma marque de fabrique, entre guillemets. Euh, la rentabilité en trois temps ou en trois piliers, c'est quoi La rentabilité en trois temps, c'est la rentabilité argent, énergie, temps. Donc qu'est-ce qui se passe ici C'est que les, ce que les chiffres nous disent, c'est que clairement, eh bien l'énergie, le bien-être et la productivité donc le temps sont impactés directement par cette pression liée au manque de temps. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, c'est que eh bien, c'est un engrenage qui finalement est oppressant et dans lequel malheureusement eh bien la créativité, l'espace, la recherche de solutions, le fun, l'envie de faire avec plaisir eh bien diminue. Parce que on va être davantage dans la force. OK Donc c'est impératif de revenir à quelque chose quand on est entrepreneur, de revenir vers le plaisir de faire, vers le tout simplement euh, la créativité. Je ne vais pas forcément parler de flow, mais en tout cas, il faut absolument s'enlever cette euh, pression de il faut que, il faut que, il faut que et d'être dans la force. Si vous êtes en permanence dans la force, il y a forcément quelque chose qui ne va pas et ça va forcément à un moment euh, vous porter préjudice. Que ce soit dans votre business, pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre famille, il y a un moment ce ne sera pas euh, jouable dans le temps. Ok Donc, ce qui est vraiment le grand cadeau de l'intelligence artificielle, c'est justement ce côté où on va pouvoir activer cette rentabilité en trois points donc on a dit argent temps énergie et on va pouvoir du coup avoir un véritable soutien et on va pouvoir s'enlever vraiment une grande grande majorité de cette pression liée au manque de temps parce que on va pouvoir dupliquer notre ce qui est quand même assez merveilleux il faut le dire moi clairement ça a changé ma vie et je vais te euh, parler justement de ce qui s'est passé pour moi que, comment comment j'en suis arrivée à euh, l'intelligence artificielle comment j'ai débuté mes premiers pas avec l'intelligence artificielle je te dis tout maintenant donc clairement on a pu le voir euh, on a quand même un, une sérieuse problématique qui est que la grande majorité des entrepreneurs femmes présentent euh, au quotidien une pression constante liée au manque de temps, une pression euh, extrême, je dirais, qui, euh, malheureusement, euh, vient complètement nous desservir dans notre quotidien d'entrepreneuse. Ça nous bloque notre créativité. On est moins productif parce qu'on a 10 000 euh, idées qui nous viennent en tête et euh, c'est pas forcément euh, canalisé. Euh, quand on a besoin d'être euh, dans la productivité, on est K.O. Ok, bon, comment on active l'intelligence artificielle pour euh, vraiment dupliquer son temps C'est maintenant. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire pour toi Déjà, elle va automatiser toutes les tâches chronophages, ce qui va te permettre de te concentrer, toi, sur... Déjà, d'une, ton cœur de métier, ce pourquoi, en fait, euh, tu es quotidiennement euh, dans ton entreprise, dans ton business, pourquoi tu partages sur les réseaux sociaux, etc. Euh, ça va être le cœur de ton métier, de ton expertise. Et ensuite, deuxième point, ce qui fait de ton business un business, euh, c'est tout l'aspect aussi de la stratégie d'entreprise, la stratégie business, ok donc, quelques exemples, on peut tout à fait imaginer avoir un assistant virtuel basé sur l'IA. Notamment, moi, c'est ce que euh, j'ai créé pour vous avec le Bizmate, qui est un assistant euh, business virtuel. Et euh, donc, cet assistant va vous générer des emails, ok Par rapport, par exemple, à un contenu que vous avez fait sur. Les réseaux sociaux. Vous avez un post Instagram qui a cartonné. Vous avez des super retours. Enfin bref, vous savez que c'est un super contenu. Vous avez une liste de mails. Malheureusement, cette liste de mails, vous ne l'exploitez pas et c'est bien dommage. Et au fond de vous, vous le savez, mais clairement, vous n'avez pas le temps. Et là je vais te dire oui mais bon écrire un mail ça prend euh, allez ça prend 5 minutes. Oui mais non en fait. Parce que écrire un mail ça prend 5 minutes oui mais quand c'est ça tout le long de ta journée euh, tu arrives à 10 heures de travail. OK Et quand euh, dans ta journée tu es comme moi et t'as pas 10 heures de travail possible parce que moi déjà c'est pas forcément euh, mon grand kiff de me dire je vais travailler 10 heures par jour j'adore j'adore ce que je fais mais euh, j'ai ma famille euh, j'ai aussi envie de prendre soin de moi j'ai envie de faire du sport euh, j'ai envie de pouvoir écrire quand j'ai envie d'écrire bref Okay on est d'accord là-dessus. On n'est pas des, des machines à travailler. Euh, et c'est aussi pour ça que la magie de l'IA est extraordinaire. C'est qu'on va lui demander de venir en copilotage. On va lui dire écoute, là, moi, j'ai créé une super pièce de contenu Instagram. Je veux que tu me la fasses maintenant en mail pour ma liste de mails. Et ça va prendre 30 secondes. Tu fais un copier-coller tu relis tu modifies en fonction de ce que tu as besoin de modifier, tu ajoutes ton histoire personnelle, des petites années, des petites anecdotes pardon, des petites choses un petit peu ici et que clairement il n'y a que toi à connaître ton histoire, hein. ChatGPT il ne la connaît pas et à partir de là le mail il est fait et tu peux faire ça admettons pour toutes les pièces de contenu donc admettons quelqu'un comme moi qui quotidiennement publie sur Instagram et Facebook je pourrais quotidiennement vous envoyer des mails lié à cette création. OK et c'est ce que comme je vous le disais euh, comme je vous le disais là avec le podcast le podcast là je fais un enregistrement, je suis en live avec vous en même temps, que l'enregistrement du podcast, ce qui est assez dingue. Euh, Qu'est-ce qui va s'en suivre Il va y avoir deux mails euh, qui vont être envoyés pour justement aller encore plus loin sur le sujet pour la communauté que j'appelle la communauté rapprochée. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire euh, pour recevoir les mails chaque semaine, vous avez, euh, et je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Et clairement, eh bien, vous allez déjà de une avoir une présence auprès de votre communauté, vous allez la soutenir, vous allez lui apporter un véritable soutien et en plus, vous, eh bien, vous prenez votre place. Ok Alors là, en direct, euh, on a Emily qui nous partage et préparé d'emails mails grâce à l'IA. Ce que j'adore, écrire que l'on peut lui dire j'aime bien ton mail mais il est un peu trop long mais est-ce que tu peux prendre le re rendre un peu plus fun exactement c'est clairement aussi la possibilité de l'intelligence artificielle c'est la possibilité de l'emmener vers euh, une façon de parler vers une tonalité est-ce que tu peux me vulgariser tel sujet m'apporter un peu plus de fun euh, faire quelques blagues c'est Possible. Et il va le faire pour vous, ok Donc arrêtez de vous prendre la tête à essayer tout le temps de créer, 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 créer. Prenez vos meilleures pièces de contenu, euh, dupliquez-les sur de nouveaux formats, de nouvelles possibilités, demandez à l'intelligence artificielle euh, comment vous pourriez recycler euh, ce contenu, cette pièce de contenu pour euh, vos communautés, voici vos réseaux sociaux, etc. Et il va le faire pour vous. Vous. Ok Donc, si vous voulez aller plus loin, il y a aussi, comme je vous le disais, l'assistant IA qui est le BizMate. Émilie connaît bien le BizMate. <laughs> c'est son, euh, son assistant, puisqu'Émilie est arrivée dans l'univers du BizMate il y a plusieurs euh, semaines maintenant. Et donc, forcément, ça match Ça match <laughs> Alors, je vais vous raconter aussi, quand même, euh, ce qui se passe. Comme je vous disais, ce qui est possible avec l'IA, c'est pas juste de gagner. Euh, deux heures par semaine. Non, je suis persuadée, si demain je viens et je t'accompagne, tu vas gagner plus de dix heures par semaine. J'en suis 100% convaincue. Ok euh... Qu'est-ce qui s'est passé pour moi Aujourd'hui, quand je travaille une journée, c'est comme si je travaillais une semaine l'année dernière. Complètement dingue. Et c'est d'ailleurs, je pense, le, 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 euh, la bannière que je pourrais faire euh, sur ChatGPT Business School, ce qui est c'est complètement ouf. À chaque fois <laughs> qu'une nouvelle personne arrive dans euh, soit le Bizmate ou soit dans euh, l'IA et Rice, qui sont mes deux accompagnements, donc soit vous avez soit le format académie, soit le format assistant IA euh, qui est le Bizmate, à chaque fois vous êtes sûr à 100% que le premier message que je reçois, c'est Carole, mais c'est complètement dingue, c'est complètement ouf, enfin jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça, etc. Ouais, <laughs> c'est carrément trop bien. Émilie qui partage, j'adore le bismate et pourtant j'utilise, je ne l'utilise pas encore, à peu près au un quart. Ok, Émilie, on active. <laughs> mais il y a aussi ce côté où on y va step by step. Okay? Et aussi en fonction de ses besoins. Si aujourd'hui, euh, dans le BizMate, il y a par exemple un générateur euh, pour vous aider et être à vos côtés, vous soutenir dans la réalisation par exemple de live sur Instagram ou de masterclass. Et si pour le moment, vous n'êtes pas à cette étape, c'est OK. Amusez-vous à le faire, à tester et euh, on verra pour la suite. OK Prenez ce dont vous avez besoin dans le BizMate avec votre assistant business d'intelligence artificielle, ok Donc, ce qui s'est passé pour moi l'année dernière, donc j'étais euh, encore, euh, on va dire, sur le positionnement de mon entreprise, euh, sur du coaching, euh, on va dire, de holistique pour les femmes, du point de vue aussi de l'organisation, du bien-être, de euh, comment... Euh, eh bien, optimiser vraiment son temps. D'ailleurs, le programme s'appelait Optimum. Et euh, on va dire, c'était Optimisation Maman. Voilà, c'était vraiment ce, ce, ce positionnement que j'avais. J'adore euh, tout ce qui est organisation, tout ce qui est aussi, euh, on va dire, minimalisme, essentialisme, dans le, dans le sens où euh, j'aime pouvoir me dire, ok, on, on va au plus euh, simple au plus facile et on explore vraiment le ce centre pour aller plus loin pour ensuite rayonner c'est vraiment comme la fleur qui éclot et, euh, et pas euh, aller dans tous les sens c'est vraiment ce côté, souvent on entend parler de la loi du 20-80. Euh, moi j'aime bien parler ici de la notion du less is more, qui veut dire euh, moins pour plus. C'est vraiment cette notion-là. Ça vient aussi euh, tout droit de mon histoire personnelle, puisque euh, dans mon histoire personnelle, on va retrouver beaucoup, beaucoup euh, la notion de faire attention euh, à l'environnement le zéro déchet, le minimalisme, euh, le côté ou justement moins pour plus. Et c'est exactement ce que je veux euh, activer pour mon business, pour vos business et le faire avec l'intelligence artificielle. Petit aparté, l'intelligence artificielle, elle va être exceptionnelle si vous, vous avez déjà bossé avec clarté votre vision, votre positionnement et que vous avez déjà en tête aussi ce que vous souhaitez partager, quelle est votre expertise, etc. Parce que clairement, si dans votre tête c'est un grand bazar et que vous n'avez pas la clarté et que vous ne savez pas où vous allez, ChatGPT va accentuer ce gros bordel dans votre tête. OK? Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on rentre dans mon univers, la première chose que l'on fait, quand on rentre dans l'univers de ChatGPT Business School, la première chose que l'on fait, c'est euh, amener euh, vraiment cette notion, alors pourquoi il me met les trucs Non, bon, c'est bon. Euh, c'est vraiment d'apporter cette notion d'humain, cette notion de clarté, cette vision d'ailleurs tout à l'heure à 11h je suis en live dans l'Académie IA Rise et on va faire un exercice extrêmement puissant sur la vision et on va aller justement avec ensuite Chad GPT pour lui demander OK ma vision c'est ça maintenant comment c'est quoi le plan c'est quoi le gameplay pour aller là OK et ça, on va utiliser la notion ici de l'intelligence artificielle pour la stratégie d'entreprise. OK Donc, il y a vraiment, mais alors, des centaines et des centaines et des milliers de possibilités d'utiliser l'intelligence artificielle dans son business. Je reprends. Donc, j'étais coach d'optimisation pour les mamans. Et. <coughs> Euh, j'ai débuté l'intelligence artificielle, en tout cas l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT. Je pense qu'il euh, n'est plus à présenter, n'est-ce pas Et euh, j'ai commencé mes premiers pas, on va dire, avec ChatGPT. Bon, j'ai débuté. Bon, je trouvais qu'il y avait des choses pas mal. Et j'ai vite compris que ça allait être un outil hyper puissant, justement, sur cette pression du manque de temps euh, chez les femmes entrepreneurs qui est... Juste énorme. Et on a clairement envie ben, que ça nous décolle des baskets. On en a marre que ça nous colle à la peau, ce truc de... Euh, euh, comment dire De la pression constante euh, liée au manque de temps. Et euh, bien entendu, que ce soit aussi dans nos vies perso ou euh, dans nos business, ça nous suit partout. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vite compris que ça allait être un outil Game changer de dingue. Ça, je l'ai très très vite compris et j'ai très vite compris aussi euh, que l'évolution était euh, vitesse fois. Euh, c'est même pas du fois mille, c'est euh, en fait, c'est expansionnel et euh, même nous, de notre, euh, on va dire, de notre posture euh, de petit humain, euh, eh bien, c'est assez dingue de voir à la vitesse où euh, l'intelligence artificielle a évolué. Quand on voit par exemple les images que ça générait l'année dernière et avec les images que ça génère aujourd'hui, plus rien à voir. Plus rien à voir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment utilisé l'intelligence artificielle pour justement euh, eh bien, des exercices de coaching, pour mon suivi client, pour ma création de contenu. Euh, et j'ai commencé vraiment à explorer le côté stratégie. Tout ce dont j'avais besoin en fait dans mon business. Et là, j'ai commencé à me dire oh, Ok, oh, bah, j'avance deux fois plus vite. Ah oh, bah tiens, j'avance, mais là, je vois qu'en une journée, je fais ce que je faisais en deux jours, trois jours, quatre jours. Et à un moment, là, en septembre 2023, je me suis rendu compte que boum, waouh en une journée, je fais ce que je faisais en une semaine, en 6-9 mois d'utilisation d'IA et notamment de ChatGPT. Donc là, certes, j'ai vraiment un domaine d'expertise dans l'optimisation du temps, dans les process, etc. Euh, mais là, ce qui se passait, c'est que je développais l'expertise avec l'intelligence artificielle générative dont fait partie ChatGPT. Donc à partir de là, je me suis dit, ah, c'est quand même assez dingue. Et je faisais euh, partie d'un mastermind avec euh, de nombreuses femmes entrepreneurs. D'ailleurs, j'adore les masterminds, je trouve que l'énergie de groupe, etc., enfin bref. <laughs> c'est aussi pour ça que j'ai créé le format de l'académie pour, pour ChatGPT et pour euh, l'intelligence artificielle, parce que je trouve ça génial d'avoir un format académique. Et euh, du coup, dans ce Mastermind, eh bien, euh, on a un groupe de conversation. Et dans ce groupe de conversation, on venait de plus en plus me poser des questions sur euh, comment utiliser ChatGPT. Euh, et à chaque fois que je voyais que certaines entrepreneurs, on va dire, bloquaient, bah, demande à ChatGPT en fait. <laughs> Pourquoi tu bloques là-dessus euh, passe pas ton passe pas ta journée ou euh, passe pas deux heures sur ce sujet-là. Euh, active euh, active ChatGPT et tu vas voir ça va être euh, ça, va, ça va être super fluide, super simple. Tu vas gagner vraiment ton temps et, euh, et ton énergie et du coup aussi ta rentabilité cash parce que euh, ton temps euh, c'est clairement aussi eh bien le cœur de métier et ton cœur de métier c'est ce qui fait que ton business est un business. Ok et euh, et donc à ce moment-là, ma mentor me demande d'intervenir dans une masterclass dans son univers. Ok, là, j'accepte avec grand plaisir, mais carrément, j'étais trop trop emballée. Euh, j'ai vraiment j'ai pris euh, mon pied total <laughs> à euh, partager cette masterclass. Et euh, ce, cette expertise, et tout ce dont j'avais euh, testé, entre guillemets, testé et approuvé depuis plusieurs mois, semaines. Et lors de cette masterclass, ça a été boum, une révélation. J'ai eu des retours de dingue. Et à ce moment-là, je me suis dit Ok, bon, mais bah en fait, je suis assise sur un trésor et je n'en avais même pas conscience jusqu'ici. Mais c'est impossible que je n'en fasse pas quelque chose. Parce que si ça fonctionne pour moi, qu'aujourd'hui j'arrive à travailler en une journée ce que je faisais en une semaine, mais en fait il faut que toutes les entrepreneurs, femmes, hommes aussi, mais encore plus les femmes, parce que moi je suis vraiment sur cette notion de les femmes vont impacter le monde avec leur business. Ok Parce que le monde il a clairement aujourd'hui encore plus besoin de cette vision féminine. Je veux absolument que ce soit pour l'indépendance des femmes, que ce soit pour euh, ce côté un meilleur monde. Je sais, mais j'en suis intimement convaincue que le monde avec davantage de femmes à des postes clés et notamment grâce à des business et grâce à des entreprises qui puissent porter leur voix ça aura un impact positif. C'est ce que je prône au quotidien. C'est aussi pour ça que je parle euh, vraiment davantage aux entrepreneurs femmes qu'aux hommes. Parce qu'en fait, notre game changer avec l'intelligence artificielle, il est 15 000 fois plus présent avec l'intelligence artificielle et son utilisation que pour un homme. Parce qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs assez flippant, mais c'est la réalité, euh, si on doit genrer l'intelligence artificielle, elle est plus masculine que féminine. Pourquoi Parce qu'elle se nourrit, elle se nourrit quotidiennement du monde créé par l'homme, du monde d'Internet. Donc qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous allez vous dire, ben non, Carole, une intelligence artificielle, c'est pas genré. Mais oui, mais prenez la réflexion. Prenez la réflexion. Aujourd'hui, la majorité des entreprises, des contenus, surtout surtout dans le digital, c'est extrêmement masculin. L'intelligence artificielle se nourrit de ce qui est existant. Et qu'est-ce qui est existant Est-ce que c'est plutôt féminin ou est-ce que c'est plutôt masculin Je ne suis pas du tout dans la stigmatisation, ok Je ne suis pas en train d'opposer l'un et l'autre. C'est juste ici un état des lieux, ok Donc, l'intelligence artificielle, si on va plus loin au niveau de l'éthique et du genre, eh bien, malheureusement, on est sur des stigmatisations plutôt masculines. Quand vous demandez à une intelligence artificielle. Euh, de vous créer une image euh, d'une femme et eh bien malheureusement si vous n'allez pas plus loin la première chose qui va euh, sortir c'est très clairement et majoritairement une femme blanche ok stigmatisation de la société on va retrouver cela dans l'utilisation de l'ia pourquoi parce que elle se nourrit de ce qui est existant et de ce qui, ce qui n'existe pas encore, elle ne l'a pas. Donc, pourquoi c'est important que les femmes utilisent l'intelligence artificielle Parce que de nous, de notre perception, avec nos valeurs, avec notre façon de fonctionner, avec nos problématiques, on va nourrir l'intelligence artificielle d'un point de vue féminin. Et on a 15 000 fois plus à y gagner que les hommes. Pourquoi parce qu'on a 15 000 fois plus de choses à penser. <laughs> bon, non, bah, bref, je stigmatise vachement, je suis d'accord, mais n'est-ce pas un petit peu la réalité Ok mmh. C'est un petit peu. Euh, bon, bref, je vais me faire euh, lyncher sur ce podcast <laughs> et sur ce live, mais bref, non, mais. Il y, a, il y a une réalité qui est pesante. Je vous en parlais au tout début de cet épisode et de cet enregistrement, qui est que, eh bien, il y a quand même 75% des entrepreneurs femmes qui ont une pression constante liée au manque de temps. Euh, je n'ai pas les stats euh, concernant les entrepreneurs hommes, mais je pense qu'on n'est pas du tout, du tout sur les mêmes strates. OK euh, Et ça, c'est important. C'est important juste d'en prendre conscience, de le savoir. On n'est pas en opposition, on est juste en train de dire, OK, bah en fait, il euh, y, a, y, a y a un déséquilibre, une désharmonie, si je puis dire, parce qu'on a besoin des deux, en fait. On a besoin du masculin, du féminin, si on reprend le yin, le yang, si on reprend toute cette notion dans la nature de la vie, il de... y a besoin des deux. Et quand il n'y a pas les deux qui sont... Euh, mélanger de façon harmonieuse, il y a un déséquilibre, ok Donc c'est important. Euh, on continue. On y va. Et là, je vais vous donner quelques euh, dernières questions. Rien que pour vous, ok euh, Donc, très clairement, pourquoi je dis que c'est un game changer, notamment au niveau des femmes parce que là j'ai vraiment je me suis vraiment documentée sur euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les entreprises et notamment pour euh, les entreprises pilotées euh, avec des CEO femmes ok <laughs> avec des femmes il faut savoir aussi que la grande majorité des auto-entreprises en France sont des entreprises féminines ok parce que euh, nous sommes en fait euh, malheureusement souvent invisibilisés mais nous sommes en grande majorité dans l'entrepreneuriat des femmes ok émilie euh, qui nous partage je suis bien d'accord mon planning dépend des enfants mais pas de celui de mon mari let's go émilie euh, je suis avec toi je suis on est dans la même team dites-nous si vous aussi vous êtes dans la même team clairement est-ce que votre planning dépend aussi de celui de vos enfants? Est-ce que demain euh, vos partenaires, on va dire euh, euh, les messieurs, euh, ou, ou même en général, est-ce que un homme entrepreneur, il va avoir la crèche qui va l'appeler? Oui, bonjour monsieur, il faut venir chercher votre enfant. Et il fait de la température. Qui on va appeler en premier? Qui va se déplacer? Qui va bosser le soir jusqu'à minuit une heure? Parce que la journée, il y aura eu les enfants à ses côtés. Alors, je l'espère de tout cœur qu'il y ait de plus en plus d'hommes à le faire. Et je le souhaite, mais à 10 000%. Et je l'espère qu'il euh, eh y a une véritable évolution qui se fait euh, du point de vue de la société. Mais clairement, majoritairement, on n'en est pas encore là. Marion qui nous partage, mon planning est centré sur mes enfants mais je me force à planifier des temps pour moi. Ben oui. Oui. Et c'est indispensable d'avoir des temps pour soi. Je dis pas que les enfants, c'est pas important, je dis pas que la famille, le couple, mais la première chose que vous devez faire chaque dimanche ou euh, en quand c'est votre session pour organiser votre emploi du temps, la première chose à faire, c'est OK. Moi je suis où dans ma semaine Parce que si tu mets du temps pour ta famille, tes enfants, ton couple, euh, du temps pour l'administratif, du temps pour ton job, quand même. <laughs> si, c'est quand même le sujet, ok. Euh, pour ton job, ton entreprise, enfin bref, le sport, des enfants, les, bref, tout, 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 et que tu te dis à la fin, bon maintenant moi, je vais essayer de me poser, c'est quoi le restant Mais non, en fait, tu mérites pas les miettes, merde. <laughs> Je suis désolée, mais vous enfin, voyez, ça me porte. Euh, mais c'est aussi ma... mes valeurs, ma mission. Enfin bref, c'est ça. Euh, et c'est pour ça que je porte l'IA pour les femmes. Parce que je sais qu'il y a un véritable levier extrêmement puissant à... là. Et ce que je veux vous dire, c'est que les entreprises pilotées par des femmes qui intègrent l'intelligence artificielle. Elles augmentent leur productivité de 40%. 40%. Donc, quand on me dit Ah, oh, mais l'intelligence artificielle, le digital, c'est davantage les mecs. Ben oui, parce qu'il bon, y a quand même une grande majorité d'hommes qui ont une appétence ou qui ont des compétences un peu plus euh, tournées vers euh, le digital. Ben ouais, mais en fait. C'est pas parce que euh, t'as jamais touché à euh, ChatGPT que tu vas jamais savoir le faire. Il y a énormément de croyances aussi qui viennent boum en face de nous et clairement qui, qui c'est qui croit là, maintenant, ne pas pouvoir utiliser ChatGPT ou l'intelligence artificielle parce que. Il y a sûrement la croyance de ⁇ Ouais mais le digital, c'est pas trop mon truc, c'est pas trop pour moi. Déjà, je galère juste avec Instagram. Qui a cette croyance Vous êtes nombreuses. OK Et il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de savoir-faire. La première chose que vous devez faire, c'est débuter. Point. On s'en fout. On s'en fout, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de se former, on n'a pas besoin d'avoir le diplôme, on n'a pas besoin, enfin, on a besoin de s'auto-former. Mais en fait, la première chose pour te former, c'est de mettre les mains dedans. On s'en fout du reste. Es... Est-ce que le digital, c'est ton truc ou pas On s'en fout. <laughs> on s'en fout. La première chose à faire, c'est d'y aller. Tu, tu ouvres une page internet, tu vas sur chatgpt.com, tu crées ton compte et tu commences. Et ce sera peut-être nul au départ, sûrement d'ailleurs. Tu trouveras peut-être que c'est de la merde, tu te diras Non, mais en fait, Carole, elle me parle du truc, ça a l'air génial, moi je fais un truc, c'est nul, ça me sert à rien. Ben, viens, je t'emmène, <laughs> on le fait ensemble. Ok Mais commence Ok parce que 40%, quand je vous dis, moi aujourd'hui là par exemple, euh, je travaille là ce matin de 9h et je vais chercher mon petit bibou à 13h parce que mon petit garçon de 3 ans va à l'école 2 matinées par semaine. Tout le reste du temps, Gaëlle, Gaëlle qui est peut-être par ici, Gaëlle qui hier après-midi était en session euh, live avec moi pour la création de son bizmate. Gaëlle, elle a vu <laughs> Eden euh, venir. Elle a pris euh, Eden, il a carrément pris le tableau <laughs> sur lequel j'étais en train de bosser. J'ai dit à Gaëlle, bon allez, on passe en format digital parce que euh, je donne mon tableau à Eden, il va faire du dessin et et on avance. <laughs> Coucou Gaëlle. On avance, ok. Alors oui, faire avec les enfants, ça demande beaucoup d'énergie. C'est un stress aussi. Je vous dis pas que hier, quand j'étais en séance live pour préparer le Bizmate avec Gaëlle, oui, j'aurais été carrément, carrément plus sereine, plus cool de me dire j'ai pas les enfants. Et en plus, j'avais mon grand qui était malade. Donc j'en avais, j'avais deux enfants sur mes quatre. J'aurais été beaucoup plus sereine, plus cool, relax. Je savais que personne allait venir m'embêter ou interrompre, ou... mais en fait, ça fait partie de la vie. Et si moi, je suis dans la capacité d'accepter, eh bien, vous allez l'accepter aussi pour vous. Et vous ferez en sorte que de l'autre côté, quand vous avez vos clientes, eh bien, vous aussi, vous le ferez pour vous et vous l'accepterez pour vos clientes et vos clientes l'accepteront pour leurs clientes, etc., etc. Et si ça commence toujours par petit, petit, petit et boum, 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 ça se duplique derrière. Donc, il y a la posture de l'entrepreneur, il y a vos pensées, il y a vos croyances, mais il y a un outil qui n'attend que vous aujourd'hui parce que l'IA et notamment ChatGPT et de nombreuses intelligences artificielles, elles sont gratuite Donc il y a un moment, on arrête. Okay. Elles sont gratuites. Il n'y a pas besoin d'investir des mille et des cents. Franchement, aux, aux possibilités de l'IA aujourd'hui, moi j'ai fait le calcul. Si aujourd'hui je devais utiliser, on va dire, déléguer, si aujourd'hui je devais déléguer euh, tout ce dont j'ai besoin, et ces besoins-là, je les euh, transmets à ChatGPT, à mon intelligence artificielle, parce que j'ai un peu la mienne. Mon chat GPT, il est euh, optimisé pour moi. Si demain, j'ai fait le calcul, je dois déléguer tout ce que je fais avec chat GPT. Il y en a pour plus de 2136 euros par jour. Et encore, le calcul, euh, j'ai fait le calcul sur, euh, on va dire, des, des prix, on va dire, moyen, moyen euh, bas. OK Donc, euh, par exemple pour ma création de contenu, si je prends euh, un community manager, auquel community manager, il va me prendre combien pour gérer mes réseaux sociaux Et ça, vous faites le calcul. Donc, quotidiennement, déjà, quotidiennement, juste à utiliser ChatGPT, je suis dans un gain de temps, d'énergie et de rentabilité cash. Parce que tous les jours, quand j'utilise ChatGPT, j'utilise à peu près euh, des expertises que... Si j'avais eu besoin de déléguer, j'en serais à 2000 euros par jour. Donc, faites vraiment vos premiers pas avec l'intelligence artificielle. Elle est gratuite et accessible à tous. Et ce que vous vous dites en mode, oh non mais l'IA, c'est pas pour moi, je vais déjà je galère avec Instagram ou avec Facebook, j'ai déjà du mal à partager sur les réseaux sociaux. Alors, utilisez l'intelligence artificielle, il y a un cap quand même. Mais oui, mais non. Non, <laughs> non, c'est clairement euh, ta priorité aujourd'hui, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, ok <laughs> Donc, euh, n'hésite pas vraiment, euh, j'ai aussi préparé un super cadeau pour toute ma communauté et d'une valeur de plus de 149 euros. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour faire vos premiers pas avec ChatGPT dans cet atelier que je vous offre. C'est euh, vraiment le moment pour le télécharger parce que ça ne va pas être ouvert de manière constante. Donc, profitez-en maintenant. C'est accessible. J'ai tout, tout préparé. Vous avez un plein air avec, eh bien, toute l'optimisation de votre temps de prêt, Rien que pour vous. Vous avez également une liste entière de prompts que vous pouvez d'ores et déjà tester avec ChatGPT pour que vous puissiez vous voir aussi ce dont il est capable, même sans forcément avoir euh, eh bien, toute l'optimisation et la personnalisation bien sûr qu'on réalise ensemble lorsque vous venez euh, dans mes accompagnements, que ce soit euh, l'Académie IA et Rice. Ou euh, bien entendu dans euh, la création de votre Bizmate, qui est votre assistant euh, business créé avec de l'intelligence artificielle. Ok Donc c'est possible là pour vous de faire vos premiers pas gratuitement avec l'IA, avec moi à vos côtés. Donc profitez-en, c'est le moment. Euh, clairement, on a passé Quelques minutes maintenant ensemble. Moi, j'ai quelques questions pour toi. Et j'ai aussi ce point que j'aime beaucoup qui est un petit peu le côté euh, on passe aux exercices, les filles. Euh, quelles sont aujourd'hui les tâches répétitives euh, qui te prennent le plus de temps Liste-les. Là, par exemple, cette semaine, euh, je suis en, je vais pas dire en plein d'exercices, mais euh, j'audite toute la semaine mon temps. J'ai mis une application sur mon téléphone et mon ordinateur pour traquer mon temps et réaliser un audit à la fin de la semaine. Qui sait qui va me réaliser l'audit Ce n'est pas moi qui vais me prendre la tête. Je vais balancer toutes les stats et je vais balancer tous les comptes rendus à ChatGPT et il va me dire où est-ce que je peux optimiser mon temps, où est-ce que je perds du temps, est-ce qu'il y a des moments où je passe une heure à scroller et c'est pas bon parce que bah, en fait j'en fais rien. Ok il va me faire mon gameplay. OK? Euh, donc, première question, regarde toutes les tâches répétitives qui te prennent beaucoup de temps chaque semaine. Liste ces tâches. OK? Parce qu'il y a sûrement dans ces tâches des choses que tu vas pouvoir automatiser avec l'intelligence artificielle. Et si tu as des questions, eh bien, viens, on discute ensemble sur Instagram, Facebook. Vous avez également le groupe Facebook Elite, euh, qui est un groupe privé pour être en proximité avec moi et toute la communauté rapprochée. Okay deuxième question. comment tu te sentirais si déjà dans cette liste de tâches que chaque semaine tu dois à chaque fois recommencer 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 -re eh bien tu pouvais automatiser ces tâches et récupérer du coup plusieurs heures par jour. Si là, je te disais, ok, ok, c'est possible pour toi de gagner deux heures tous les jours, qu'est-ce qu que tu ressentirais Là, dans les possibilités et les opportunités que tu y vois, qu'est-ce que tu ferais de ces deux heures Est-ce que ces deux heures-là, tu euh, finirais peut-être le travail plus tôt tu pourrais peut-être te dire Oh, ben ça veut dire que euh, déjà je pourrais aller au sport deux fois, trois fois par semaine. Et que jusque-là je ne le fais pas. Ok. Qu Qu'est-ce qu que cette possibilité, cette opportunité t'emmène C'est important. Posez-vous cette question. Deux heures par jour en plus avec un outil gratuit. Okay. Donc pour finir, adopter l'intelligence artificielle, euh, c'est propulser clairement ton business, mais aussi toi, tes opportunités, tes possibilités, que ce soit business ou perso, euh, vers de nouveaux sommets, vers de nouveaux horizons, clairement. Donc si tu veux... On se retrouve et je t'explique exactement quelles sont les opportunités et possibilités pour toi. Merci d'avoir écouté le podcast ChatGPT Business School. On se retrouve la semaine prochaine. Abonne-toi, active euh, l'abonnement pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout. Passe à l'action pour optimiser ton temps et booster ton business. Et n'oublie pas, clairement, le pouvoir de l'intelligence artificielle est entre tes mains. Allez, ciao